C'est vraiment un voyage. Tu pars de quelque chose, d'une idée, et puis ça t'amène complètement ailleurs par des chemins que tu n'imaginais même pas. Pendant que je faisais mes études de danse contemporaine, on avait des cours de Feldenkrais. Et donc c'est resté comme quelque chose d'extrêmement intéressant et surprenant. Bon, je suis sûre qu'il y a plein de choses à découvrir, à creuser, et puis à retrouver de nouveau ce lien avec le corps. Donc, comme je donne des cours de Pilates depuis un petit moment, je cherchais une autre méthode à enseigner en parallèle, qui là pour le coup est très complémentaire parce qu'elle est moins basée sur les muscles et beaucoup plus sur le squelette. Donc c'était très très utile pour moi déjà. C'est une façon d'approcher son corps, d'approcher la façon de bouger, mais aussi d'approcher toutes les choses auxquelles on est confronté dans la vie. Comment on approche l'autre, comment on approche une situation qui est nouvelle pour nous. Donc c'est très riche. Mais au bout de 4 ans de formation, j'ai l'impression d'avoir commencé à gratter avec l'ongle derrière quelque chose qui n'est que le début, en fait, finalement, d'une découverte. Donc c'est juste génial comme sensation.